Ils sont même formés pour ça. D'accord. Oui. Alors, vous déclarez qu'ici, qu'à partir du 27, votre consigne a été respectée, à partir du 27 même. Oui, à 10h. 10h. Quels sont les corps qui ont respecté ce même jour? Tout le monde, tous les gens que j'ai appelés étaient présents dans la salle. Dans la salle? Oui, ils étaient présents dans la salle. Bon, d'autres disent réunion, ce n'était, pour moi, ce n'est pas une réunion. Je les ai appelés pour passer les instructions. Et j'ai laissé tout le monde, j'ai dit, allez immédiatement faire le rassemblement et passer le message. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour moi, ce n'est pas une réunion. Général, je voudrais une précision. Est-ce que, habituellement, dans l'armée, pour donner une consigne de cette envergure, vous le faites verbalement ou par message radio? Comment vous avez l'habitude de faire? Non. On peut passer le message comme je l'ai fait pour convoquer les gens de venir là-bas. Mais c'était, pour moi, c'était tellement important, donc je voulais que les gens entendent ça de ma propre voix. C'est-à-dire, face à face, que je dis à chacun, voilà le comportement à adopter ce jour. En tout cas, ça, je sais que personne ne va dire je n'ai pas reçu le papier ou bien on ne m'a pas dit. Si tu es là et je parle devant toi, après tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Vous n'avez pas fait de message à l'endroit des différents camps de pays? Message radio ou par un acte écrit? Je n'ai pas fait d'acte. J'ai voulu qu'ils entendent ça de ma propre bouche. Okay. Je vais revenir sur la question. Vous étiez chef d'état-major général. Effectivement. C'est pourquoi j'ai eu l'intérêt de la question. Je voudrais savoir l'étendue réelle de vos pouvoirs. Le 28... Vous confirmez que vous étiez au camp Samori Touré le 28 septembre, oui. Le matin. Oui. Vers 7h. Ça, c'était tous les jours. Est-ce qu'avant 10h, puisque vous déclarez que c'est à 10h, vous avez appris qu'il y a des événements, ce qui a été conforté par l'appel de cette dame qui travaille à la Croix-Rouge, oui, demandant votre service? Ouais, est-ce entre 10h et 11h. 10h. Est-ce que bien avant 10h, cet appel, à partir de 8h, on vous a rendu compte de ce qui se prévalait à Conakry? Oui, j'ai dit ce qu'il qui y prévalait avait... au stade du 28 septembre, ouais, étant chef d'état-major général de l'armée. Oui, il y avait même un petit poste radio à côté où ça, c'était tout le temps dans mon bureau. Quand je viens le matin, j'allume pour écouter les informations. Donc, mais il y avait les murmures avant ça. On entendait de tous les bords que les gens veulent marcher, voilà, à la télé, à la radio, partout. Ça dit. Mais moi, je dis que je n'étais pas sûr parce que je voyais tous ces gens-là au camp. Pour moi, vraiment, ils vont s'entendre et puis... Je voudrais dire, ouais, est-ce que un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire l'atmosphère qui régnait à Conakry, en général et en particulier au stade? Est-ce que un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire ce qui se passait, étant chef d'état-major général de l'armée? Puisque vous avez fait appel, ouais, au chef d'état-major général de l'armée des terres, tous les corps qui rentrent dans vos attributions. Est-ce que quelqu'un d'entre eux vous a appelé pour vous rendre compte de la situation qui prévalait à Conakry en général et au stade en particulier? Non, c'est moi qui appelais. Chaque une heure du temps, j'appelais les chefs d'état-major et je leur demandais, voilà, quelle est la situation? On me disait, ah, les gens sont là, ils ne sont pas sortis. Ils sont là, les hommes sont au faisceau. Et... quand le quartier est consigné, comme ça, vous pouvez vérifier, à chaque une heure ou deux heures, on fait l'appel
les gens pour voir s'ils sont dans les rangs. Vous voyez? Donc, ils ne m'ont pas remonté qu'il y a des gens qui sont sortis et qui sont partis. Ils ne m'ont pas dit. Mais comme ils ne m'ont pas dit, je ne peux pas inventer que les gens sont sortis ou bien... Voilà, ils ne m'ont pas dit. Ils m'ont dit tout se passe bien, les armes sont en faisceau et les gens sont sur place. J'ai dit le 27 au 28, il y a des unités où les gens ont passé la nuit. Ils ont passé la nuit au camp. Donc personne ne vous a informé Que les gens sont partis au camp. Les gens sont sortis au camp, chef de camp. Non. Je vais revenir sur ce qui s'est passé au stade. Vous confirmez que c'est par radio que vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade? J'ai dit que la Française m'a appelé. La Française m'a appelé. C'est pourquoi, vraiment, si on pouvait avoir cette dame, ça va beaucoup nous en penser. Celle qui m'a dit clairement, sa situation est grave. Il y a beaucoup de blessés, il y a des morts. Et quand tout est fini, cette dame est venue, je crois la semaine qui a suivi, cette dame est venue dans mon bureau et m'a remis la copie de son rapport que j'ai lu. Et cette copie aussi, je dirais vraiment à Monsieur le Président de tout faire pour avoir la copie de ce rapport. Quand il m'a remis la copie, j'ai dit « Ok ». J'ai un peu parlé avec elle. Mais je lui ai dit, d'accord, d'ici, je vais aller déposer, remettre le rapport au ministre de la Défense. Il dit non. Il dit, elle-même, elle va se charger d'aller remettre à chaque personnalité. Je crois que c'est comme ça. Elle-même, elle a envoyé au camp Al-Fayya. Je ne sais pas comment ça a été remis. Mais elle m'a dit de garder que ça, c'est pour moi. Et elle va le remettre au ministre et au président. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont reçu leur copie ou bien s'ils n'ont pas reçu. Mais moi, j'ai reçu ma copie et je l'ai lue. Et je ne vais pas faire trop de commentaires parce que je veux que vous... Ce rapport est très important, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez encore une copie de ce rapport? En quittant, parce qu'après les événements, moi, on m'a enlevé de mon poste. Après que, ils ont tiré sur le président Dadis, on m'a enlevé, on m'a remplacé. Et avant de quitter, j'ai laissé tous les documents au bureau. Même la clé. Vous avez laissé la copie là-bas? Oui. Même la clé de mon véhicule de commandement. Continuez, M. le procureur. Je vais revenir sur la situation des corps au camp Samori. Ouais. Vous avez suivi les débats depuis le début de ce procès. Et vous venez de confirmer effectivement la présence de camions contenant des corps. Le général Toto, paix à son âme également, dans son procès verbal, il a fait mention... fait état de ces camions-là. Oui. Vous confirmez encore que vous avez vu les corps au camp Samori Touré, où vous étiez, quand vous étiez aux affaires, vous avez vu ces camions garés. Les camions étaient là. Remplis de corps. Oui, 150 corps, je n'ai pas compté, mais ce que la dame et Agnès Dine, les chauffeurs, ont envoyé, ils ont compté 155 corps. C'est après, et dans le rapport fait foi, il y a deux corps qu'ils ont retrouvés après qu'ils ont déposé à Donka. Et il y a d'autres détails dans le rapport concernant les impacts de balles sur les personnes qui sont mortes. Tout est parce que la dame m'a dit, quand ils prennent un corps, ils l'examinent et ils le mettent. Il l'examinait, il notait. Donc, l'état des corps s'est mentionné dans le rapport
et le nombre de corps avec impact, c'est déterminé dans le rapport. Président. Professeur, une fois encore, sur les 25, puisque ce n'est plus 27, mais 25 ont été inhumés, et sur les 25, combien ont été exhumés pour l'ADN? Avec précision. Sur les 25, je vous ai dit que j'ai exhumé, ce n'est pas tous les corps qu'on exhume. Dans la fosse, on récupère les membres. On a exhumé trois fémurs d'un corps, trois fémurs, donc ça fait trois corps. Et puis on a exhumé aussi deux bassins. Donc après, on a exhumé cinq corps. Vous avez exhumé cinq corps. Cinq corps. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait ce travail à mi-chemin, c'est-à-dire sur 25, alors qu'il y a des personnes non identifiées qui ont été, disons, inhumées, ils sont non identifiés. Pourquoi vous n'aviez pas pris soin d'exhumer la totalité de ces personnes pour au moins les comparer avec les cinq personnes, l'ADN des cinq personnes qui ont accepté de venir pour ce travail, écoutez, cette analyse? Oui, écoutez, pour deux raisons. La première, c'est que je ne peux pas exhumer 27 corps et les embarquer pour envoyer pour l'exhumation. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore une fois, on a voulu dans un premier temps faire un test de probabilité. Est-ce que dans ces corps, les prélèvements qu'on va faire ici, vous pouvez me faire la même question pour demander pourquoi je n'ai pas prélevé toutes les personnes ayant déclaré la perte d'un parent. Donc, j'ai prélevé, j'ai pris un échantillon. J'ai comparé avec l'échantillon des victimes que j'ai envoyé. Mais je n'ai pas trouvé. À supposer, par exemple, que je trouve que, il y a un cas positif chez qui on a trouvé. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais dire au président du tribunal, je vais leur dire, bon, écoutez, il y a une forte probabilité que parmi les corps qui se trouvent dans cette fosse, qu'il y ait quand même des personnes qui ont leurs parents, qui ont perdu leurs parents qui se trouvent là. Alors, qu'est-ce que vont me dire? Faites une exhumation totale et prenez tous les corps. Voilà. Mais si le fait d'avoir essayé cette probabilité, c'est un problème, moi, je me... Peut-être... Pourquoi... Alors, c'est ce que je vous dis. Pourquoi je n'ai pas prélevé? Vous auriez pu me dire, il y a combien de personnes qui réclament avoir perdu leurs parents? Alors, prélever toutes ces personnes-là. Alors, pourquoi spécifiquement? Donc, on a essayé, on n'a pas trouvé. Sur cinq personnes? On a essayé sur cinq personnes, on n'a pas trouvé. Donc, et ça, ce n'était pas une mission médico-légale. Donc, c'était 20... une mission, s'il vous plaît, c'était une mission de la commission d'enquête. Pourquoi la commission n'a pas exigé à ce que vous continuiez sur les 20 autres corps? Ben, elle n'a pas exigé. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas insisté? Ah, je n'ai pas insisté, je leur ai alors, donné... Alors, disant il y a 20 autres corps... Je pense que quand je suis revenu, j'ai eu le résultat. La procédure avait déjà commencé, c'est-à-dire l'instruction de cette affaire et tout ça. Parce que dès que je suis arrivé, je me rappelle, on m'a aussitôt appelé pour me demander d'envoyer mon rapport. Je l'ai déposé. Mais on ne m'a plus demandé. Si on m'avait demandé, j'allais... Parce que de toute façon, aussi, c'est l'État guinéen qui paye. Vous allez le faire. Continuez, merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Bonjour, professeur. Bonjour, maître. Okay. Professeur, je voudrais savoir, au moment où vous intervenez, si... Je comprends bien vos explications, l'exposé que vous venez de faire. Vous êtes intervenu en deux temps, avant l'ouverture de toute enquête et après l'ouverture d'une enquête par la Commission nationale dont vous étiez membre. C'est cela? Oui. Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, parfait. Très bien. Vous... En tant que médecin légiste, en votre qualité d'expert,
lorsque vous devez intervenir, n'est-ce pas, vous devez faire l'objet d'une désignation. Oui, ben écoutez, d'abord je suis médecin, et c'est comme un médecin qui a l'obligation de recevoir un malade et de le soigner. C'est une obligation déontologique. En tant que médecin légiste, lorsque je suis mis en présence d'un corps, j'ai cette obligation déontologique de l'examiner et de donner les informations au moins opportunes. Et enfin, je voudrais vous dire quand même que ma mission, je suis un enseignant, je suis un chercheur, je publie. Je publie. Et d'ailleurs, ce qui fait que, vous voyez, vous pouvez chercher sur Google, « Violence meurtrière dans l'espace public à Conakry », je l'ai publié. Donc, je ne peux pas croiser les bras pour dire « Oui, j'ai vu, je me résume à ça ». Non, je fais mon travail. Mais ce que je sais que je ne peux pas faire sans la réquisition, je ne le ferai jamais. Professeur, lorsque vous êtes en présence d'un cas devant un cadavre dont la cause de la mort n'est pas connue et que vous devez intervenir pour pouvoir expliquer les circonstances de ce décès, n'est-ce pas, avez-vous, vous êtes obligé d'agir sur la base en vertu d'une réquisition. Maître, oui. Lorsqu'il y a mort d'homme devant un cadavre, la justice me demande, sur la base d'une réquisition, sur de déterminer les causes et les circonstances de décès. Lorsque quelqu'un perd un parent proche, il n'a pas besoin de la justice, il me demande. J'examine le corps, à sa demande, je fais l'autopsie et je lui donne les résultats. Dans le cas de figure, il y a eu mort d'homme au stade, je suis d'accord, je devrais être saisi par une réquisition voilà. Pour faire le travail d'autopsie. Mais qu'à cela ne tienne. Très bien. Est-ce que je peux vous reposer la même question pour dire... Non, vous n'avez pas ces droits. Je n'ai pas le droit de poser la question. Mais je peux vous dire aussi que, en tant que médecin, je dois répondre à la sollicitation de mes compatriotes. Lorsqu'on me dit, je veux savoir identifier mon parent, je ne peux pas croiser les bras. Je ne peux pas. Professeur, je dois participer à la restitution des corps, okay. À l'identification des corps. C'est une mission de fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'un médecin légiste, lorsqu'il doit agir, il doit le faire dans les limites de la loi et que la loi, en pareille circonstance, voudrait que vous soyez désigné. Et je voudrais qu'en dehors de la loi, que vous m'indiquiez un autre texte qui vous permettrait d'agir en dehors de toute réquisition. Bon, moi je ne vais pas trop discuter vous sur les questions de droit. Lorsqu'il y a mort d'homme, d'accord, le procureur délivre une réquisition pour me demander les causes et les circonstances dans le cadre de son enquête. Dans le cadre de son enquête, lorsqu'il y a mort d'homme en dehors d'un espace public, en dehors, parce que simplement c'est une famille, le procureur n'a rien à voir, je suis sollicité par une tierce personne pour le faire. Bon, sa question est précise. Voilà. Donc, l'espèce, est-ce que vous devriez agir sans les réquisitions du procureur? Voilà. Non, pour faire une autopsie, non? C'est ça. Donc. Pour faire une autopsie, non? Donc. Et. Vous avez agi sans aucune réquisition. Nous y reviendrons. Non. Et ce n'était pas normal, professeur. Non, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Et vous avez aussi parlé